bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour recommencer cette petite partie de Dragon's Run. Alors je sais plus trop où je m'étais arrêté la dernière fois dans ma petite histoire. On va reprendre ce coup-ci, c'est qu'on va s'écarter de cette partie-là. Alors j'ai repris exactement la même map que ce matin, hein, je vous le cache pas. Je vais pas aller chercher ce que j'ai récupéré, on va juste recommencer un petit peu plus loin. Tiens, viens me donner tes codes de bord toi. On va commencer déjà par ça, après on va refaire un point. Vas-y, donne-moi ta bouffe. Ok, merci, ça va me donner un petit peu de bouffe. Il y a des arbres là-bas. J'ai envie de m'écarter franchement en fait. Alors je vais faire le stock de bouffe dans un premier temps. On va commencer par sécuriser la chose. Je vais revenir sur une petite histoire. J'ai dû dépasser, chronologiquement parlant, hein, j'entends. J'ai dû dépasser en fait ce que j'étais en train de raconter. Enfin, j'ai dû dépasser cet événement-là, qui pourtant est un événement hyper important pour moi. Je voulais vous raconter en fait. C'est comment j'ai commencé la musique. Parce que c'est, on va dire, quelque chose de... Comment dire ? Ouais, je pense que ultra important, c'est vraiment le mot, parce que c'est en fait, j'ai toujours été un petit peu bercé par la musique, on va dire. Alors, de par moi-même, hein, parce que j'ai pas de parents musiciens, j'ai un grand-père apparemment qui l'était. Je dis apparemment parce que je l'ai jamais vu, enfin, j'ai jamais eu le plaisir de le voir faire de la musique. Il paraît qu'il était plutôt doué en fait en piano. Alors, allez savoir pourquoi, c'est avec le saxophone en fait un des premiers instruments qui m'a vraiment attiré. Pourtant le saxo, j'ai jamais eu l'occasion d'en faire, juste avec un pote aussi une fois, Pierrot, mais drôle de pote. je vais pas aller dans les détails. Et du coup je me suis mis assez naturellement en fait au piano. Je voulais prendre de la caillasse aussi pour me faire quelques outils. On reprend tout à zéro, hein, après tout. Alors, il faudrait aussi que je pense à prendre... Hop, j'ai fait un test en 60 fps tout à l'heure, ça n'a pas fonctionné du tout. Hein. Hop, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se faire déjà ça. Tac. Il va falloir que je prenne du charbon assez rapidement. Je vais prendre un stock de bouffe et après je vais partir loin. Je sais pas dans quelle direction je vais partir. Mais il faut que je m'écarte le plus possible pour pas linker en fait les portails du Nether et essayer de tomber sur une autre forteresse, parce que la lodge je l'ai carrément flinguée. J'ai récupéré toute la Nether Ward, donc du coup je me retrouve un peu comme un couillon. Alors j'espère que ce coup-ci ça sera la bonne. Hop, on va se faire une hache et on va récupérer du bois. Donc, pour en revenir un petit peu à ma petite histoire, j'espère que je vous ennuie pas avec mes histoires, hein, mais c'est un petit peu le but aussi de cette série. En fait, c'est de vous raconter ma vie. Je le dis comme ça fait un petit peu bizarre, mais voilà, c'est de façon à ce que vous me connaissiez un petit peu mieux, parce que c'est vrai que j'ai jamais fait de vidéo IRL jusqu'à maintenant. Il y a quand même, enfin, je veux dire, la plupart de ceux qui font des vidéos sur YouTube font au moins dans leur set de vidéos, une petite vidéo IRL, et ben moi je ne l'ai pas encore fait, donc je commence par ça, vous raconter ma vie. C'est vrai que ça fait bizarre dit comme ça quand même, hein. Petite pomme, ma petite pomme, oh, c'est pas grave. Alors, je vais me faire tous les outils, tac, ça de toute façon, non, on va en garder au cas où on aurait besoin de charbon dans l'urgence. Voilà, on va se faire ça, on va même se faire ça parce qu'on s'en servira pour les torches. On va commencer par une deuxième pioche, une hache, on en a déjà, une pelle, une épée, un four, hop là, ça, et normalement je suis plutôt pas mal. On va commencer par... Peut-être faire de la côte de porc, voilà. Allez, je reprends ma petite histoire. Donc, au niveau de la musique, comment c'est arrivé? Alors, c'est pas compliqué. Je vous avais raconté la dernière fois, en fait, que avec mes parents, on partait dans le sud de la France voir la famille. D'ailleurs, je sais même plus si j'étais rentré dans autant de détails. Mais voilà, on partait et souvent le trajet en fait prenait énormément de temps.
parce qu'on s'arrêtait de camping en camping, d'hôtel en hôtel. On faisait les trajets volontairement, on les faisait, mais super longs. C'est-à-dire qu'on prenait 2-3 jours pour traverser la France. On partait en voiture, donc dans la nuit. Nos parents pensaient qu'on dormait. Nous, on profitait à mort de l'instant présent en étant légèrement réveillés avec mes deux frangins. Et ça, quelque part, ça nous éclatait hein, de faire ça, parce qu'on partait, voilà, après on avait en fait tout l'arrière de la voiture pour nous, on était peinards. Enfin, à cette époque-là, on pouvait le faire. Maintenant, franchement, même si vous vouliez le faire, ça serait juste impossible en fait. Je vous explique pourquoi, c'est parce qu'avec les... comment ça s'appelle? Tout, je vais pas dire normes, mais réglementations, en fait, maintenant on est obligé d'avoir des ceintures à l'arrière, on peut plus faire comme avant, en fait, ce genre de truc. Certes, c'était peut-être un petit peu dangereux, mais bon, mon père a toujours été très prudent sur la route, donc ne vous inquiétez pas pour ça, on est toujours vivant, on n'a jamais eu un seul carton. Je sais pas si vous auriez de toute façon eu peur de ça, je pense pas, mais voilà. Et du coup, un jour, on s'est arrêté en camping, en fait. Enfin, je veux dire, le camping dans lequel on s'est arrêté, je vais éviter de bouffer les pommes. Ça, je le sens mal de les avoir là. C'était un camping qui était, alors où est-ce qu'il était ce camping-là? Je saurais même pas vous dire. C'était à l'entrée de la Bretagne, hein, si je dis pas de bêtises. Et on avait, en fait, je vais pas dire quartier libre, mais du coup, on était jeunes, hein, on avait 10, 11 ans. Enfin, moi, je devais avoir 11 ans, si je dis pas de bêtises. C'est assez loin, donc j'ai pas beaucoup de souvenirs précis, mais dans les meilleurs souvenirs que j'ai, disons, on s'était arrêté dans un camping où il y avait un couple d'Anglais, en fait, qui était dans le même camping que nous, hein. Ils étaient avec une caravane et quelques tentes de plus. Donc mon frangin et mon père étaient partis sur le bord de la rivière se balader, le grand frère, et moi et mon petit frère, donc, on était... on va dire comme attiré par cette caravane pour une raison toute simple, en fait, c'est que l'anglais jouait de la guitare. Et là où c'est drôle, c'est qu'en fait l'anglais il ne jouait que d'un seul artiste qui était Georges Brassens. Alors voilà, les choses sont dites. En fait, j'ai commencé à apprécier la guitare en écoutant du Georges Brassens. C'est quand même assez fort parce que c'est pas forcément le guitariste le plus exceptionnel que la Terre ait connu, et ça reste de la chanson française. Maintenant, je suis pas proprement parlé, on va dire fan de Georges Brassens, mais il s'avère que ça, c'est quand même quelque chose qui m'a, on va dire un petit peu ouvert les yeux sur le monde de la musique et qui a fait que j'ai apprécié en fait autant. Jouer de la guitare par la suite, etc., etc. Donc, ce jour-là où on était en camping, donc avec mon frangin, on n'arrêtait pas d'aller les voir, ces Anglais, en fait, et eux, ils étaient tout à fait contents. C'était un vieux couple de retraités, ils étaient tout à fait contents d'avoir du monde à venir avec eux, à les écouter et tout. Et avant de partir, en fait, ces Anglais-là ont eu un petit souci, enfin, je dirais même un gros souci. En fait, ils sont tombés en panne avec leur voiture. Alors, je me souviens qu'il y avait eu un orage monstrueux dans cette. Ah merde, je suis en train de casser les feuilles de l'autre. Non. Il y avait eu un orage monstrueux dans ce. Ah, c'était un camping qui devait s'appeler le camping des Pins, je crois. Parce que je sais qu'on avait eu un orage monumental. Et tout le monde était en train de stresser parce qu'on était sous des pins, hein, tout simplement. Et comment dire? Et en fait, quand les Anglais ont voulu partir, donc c'était la veille, je crois, de notre départ à nous. J'ai déjà plus de charbon. Ce que j'attends, ouais. De toute façon, je vais pas sortir maintenant parce que la nuit va commencer à tomber. Donc on va se mettre à l'abri. Toc, on va peut-être laisser ouvert. Ah ouais, mais c'est dangereux quand même. C'est tout à fait dangereux ce que je fais là. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Une petite fenêtre, voilà. Donc, ils étaient tombés en panne, et puis bah, naturellement, en fait, ils sont venus voir mes parents parce que bah, ils étaient un petit peu les seules personnes dans le camping à avoir été en contact, enfin, avec qui ils avaient eu un contact, en fait, via nous, en fait, hein, moi et mon frère. Et du coup, avant de partir, en fait, l'anglais a dit à mon père, alors je sais pas pourquoi moi en particulier et pas mon frère, parce que mon frère était aussi passionné que moi de les regarder, enfin de le regarder, surtout lui en fait jouer, et il a dit à mon père en fait qu'à moi il faudrait m'acheter une guitare,
Bah, il a juste trop bien géré en fait ce papy, parce que j'ai essayé plus tard de les retrouver en fait, parce que c'est, bah, voilà, ma passion pour la musique est née grâce à lui en fait, hein. Et j'ai jamais pu, enfin c'est juste impossible. Comment voulez-vous en fait? Ah non, faut que je garde quand même un peu de bois. On va se faire un petit peu quand même. J'aurais dû utiliser les pousses, putain, j'ai pas gazé. Mais comment est-ce que vous voulez de toute façon retrouver quelqu'un comme ça? Enfin, c'est totalement impossible. Donc j'avais essayé, parce que je voulais, voilà, essayer de rentrer en contact avec eux, arriver plus vieux, et puis bon, au final, on s'est un peu tombé à l'eau, à juste titre, hein, parce que c'est pas possible en fait de retrouver quelqu'un comme ça. Mais du coup, le Noël qui a suivi. Donc là, on était en 91, si je dis pas de bêtises, parce que c'était juste avant de partir sur Tahiti. Donc en 91, Noël 91, j'avais donc 11 ans. Hein, je suis né en 80, je vous rappelle. C'est facile pour le calcul. J'ai eu ma guitare. Je suis une guitare classique. Alors la marque, c'était marque Alvaro, et c'était une table massive, vraiment très sympa. C'était une belle guitare, hein, que j'avais eue avec mes parents. Et je me souviens que ce Noël-là, enfin c'était juste la folie furieuse, parce que je passais mon temps, en fait, je savais où est-ce qu'elle était planquée. Alors j'espère que il n'y en a pas des trop trop jeunes parmi vous. Je savais où est-ce que le Père Noël avait planqué la guitare, parce qu'il pouvait pas être là le jour J, donc il l'avait confié à mes parents. J'ai pas envie de faire de boulettes, hein, désolé pour ceux qui m'ont trouvé ridicule à dire ça, mais comprenez que je dois m'adresser à un grand nombre de personnes. Et du coup, je savais où est-ce qu'il l'avait planqué, le Père Noël, et je me suis retrouvé en fait à aller en cachette de mes parents. C'était juste dingue, parce qu'en fait, le simple fait de la voir, je me sentais bien. Elle était dans sa housse, ça veut dire que je la voyais même pas, la guitare. Je savais qu'elle était dans une housse en cuir, et je la voyais pas du tout. Mais le simple fait de savoir qu'elle était là, je me sentais bien, quoi. C'était un truc fou. Mais ça m'a éclaté, et pendant bah, plusieurs mois en fait, je me suis retrouvé à aller en cachette de mes parents, regarder un petit peu comment ça se présentait. Je suis à quelle hauteur là? 27. Je suis pas très loin en plus de la couche du diams. Ce serait dommage de rater à côté, de passer à côté. Le temps que la nuit tombe, hein, de toute façon, on n'a rien d'autre à faire que miner. Donc, en plus, il y a de la lave, pas loin. Mais après, on va s'écarter, hein, le plus possible, parce qu'il faut pas que les portails du Nether soient linkés entre eux, sinon ça va être la galère. Je vais devoir retomber, enfin je vais devoir faire des kilomètres pour trouver une autre forteresse, et je préfère éviter. Alors on est à combien? 19, on s'en approche, on s'en approche. J'ai bien fait une pelle quand même, ouais. Hop. On a de la lave, pas très loin. Alors, voilà, je pense que là on doit être à la bonne couche. 13, encore un petit peu. On s'en approche, hein. De toute façon, on entend clairement la lave. 11, bah là je suis à la bonne couche normalement. Alors, j'ai entendu du bruit par là en fait. Non. J'ai eu dans l'écran. Ouais, c'est par là-bas, il y a quelque chose, non? J'ai eu comme un éclair en fait dans la gauche de l'écran, je sais pas si vous l'avez eu aussi. Et je me disais que peut-être que ce serait un bug de luminosité. Non, il n'y a rien par là et par là. Peut-être. J'ai un problème avec la stéréo, c'est-à-dire que je sais que il y a quelque chose soit à gauche, soit à droite, mais j'arrive jamais à discerner. Dès que je tape à gauche, j'ai l'impression, pourtant c'est pas mes oreilles qui déconnent. Hein.
Non, c'est par la gauche, hein. Il y a pas tortillé du cul couché droit. Désolé pour le langage, mais c'est par là, quoi. Après, je vais revenir doucement sur ma petite histoire là. On a plein d'épisodes de toute façon. Voilà, là, je l'entends à droite, donc normalement, elle est à gauche. Bon, c'est pas grave. On va remonter. On va regarder un petit peu où en est le soleil, mais je crois que de toute façon, ça sera simplement au début du prochain épisode qu'on va pouvoir sortir. Si je dis pas de bêtises, il reste 7 minutes, donc il doit rester à peu près 7 minutes de nuit. En gros. Ou 3, enfin 2, 3, je sais pas. Ça fait 10 minutes, on a commencé. On n'a rien dehors. Putain, j'ai pas de visu sur le ciel, par contre, c'est dommage. On va se caler sur la luminosité, ça sera suffisant. Voilà donc pour la petite histoire de... Comment ça s'appelle? Ah tiens, j'avais celle-là aussi, c'est vrai. Hop, on va mettre ça dedans, et ça pour le finir, parce que ça va partir assez vite. Voilà pour la petite histoire de la musique. Alors je sais plus où j'en étais arrivé. J'en étais arrivé. Ouais, voilà, ça. J'ai fait un an de piano. Alors je crois que j'étais arrivé là, je sais même plus. C'est quand même triste. Et du coup, j'ai fait. Voilà, j'ai été, on va dire, un petit peu pris par la musique, en fait, absorbé par le monde musical. Et ça se casse avec ça. Voilà, on va attendre gentiment que le soleil se lève. Ça, on va virer. De la cobble, on garde. Bon, peut-être pas autant. Ça non plus. Ça, on vire. Ça, on vire. Et pour le reste, on va garder pour le moment. On va s'écarter juste pour pas récupérer ça. Et on va se faire des torches en plus. Colle. De toute façon, on aura besoin de torches. Donc, autant y aller, quoi. Et on va se faire ça aussi. Pour avoir un petit peu d'avance. On va se refaire d'autres torches, allez. Soyons fous. Voilà, on va s'organiser un petit peu tout ça. Ça, on va le mettre là. Ça, on va le mettre là. Ça, ici, j'ai beaucoup de problèmes avec la souris, par contre. C'est pas... Ça vient pas d'arriver, mais... Dirt, on va garder comme ça. On va attendre de les entendre cramer. Alors j'essaie de reprendre un petit peu ma feuille de pique. Où est-ce qu'on en était? Ouais, j'avais dû. Alors, au niveau de la musique. Donc ça va être vraiment un épisode qui reste 5 minutes. Je pense que ça va être 5 minutes à parler de musique. Donc c'était vraiment un déclic en fait hein, cette rencontre avec ces Anglais et je pense que je les remercierai jamais assez. Enfin de toute façon ça serait juste impossible parce que ça quand on s'intéresse à quelque chose comme je l'ai fait grâce à eux en fait, je pense qu'on apprend énormément en fait hein, dans enfin tout domaine confondu, c'est-à-dire que la musique ça va ouvrir un petit peu l'envie de progresser dans un domaine qui est pas naturel, c'est-à-dire que quand on pose les mains sur une guitare, c'est pas naturel d'aller gratouiller d'une certaine façon de la main droite et puis d'aller appuyer à gauche d'une autre façon. C'est voilà, on apprend forcément en habileté, en agilité, on va apprendre à avoir des mouvements différents avec chaque membre. C'est pareil par exemple pour la batterie où là ça sera les quatre membres carrément qui vont avoir un mouvement différent. Je crois que là-bas on a le ciel qui est visible, ouais, c'est ça. Donc on va voir le jour qui va bientôt se lever, on va pouvoir foncer. Et c'est je pense que c'est vachement important de s'intéresser à, enfin moi je dis à la musique, mais d'avoir une passion en fait en général. Ça c'est un avis purement personnel, hein. Mais je préfère par exemple avoir une passion pour la musique ou la vidéo, pourquoi pas? Parce que là c'est vrai que je suis un peu partagé, j'ai toujours été quelqu'un d'assez passionné, donc ce qui fait que dès que je commence quelque chose en fait je le fais généralement plutôt à fond.
Je préférerais être sûr en fait que ce squelette il est dans une des cavernes qu'à l'extérieur. Parce que je me dis que s'il va se protéger derrière un arbre, sous un arbre en fait, au lever du jour, à savoir maintenant, j'ai pas trop envie de risquer de me prendre des dégâts alors que j'ai aucune armure. Et on fonce? Allez, go. Non, c'est bon, ça a l'air safe. Allez, je fonce tout droit, on va bien voir où ça va nous mener. Des cochons, venez par là les petits cochons, viens par là le petit creeper. Viens par là la petite poule. Ok. Alors, hop, poule, poule, plume et bouffe. Ok, merci. Pareil pour toi. Et c'est vrai que le fait de s'intéresser à la musique, de s'intéresser, pardon, à la musique, je compresse des mots carrément, ça apporte beaucoup de choses, je pense. Moi, je parle pour la musique parce que c'est ce que je connais le mieux, mais je pense que quel que soit le... Tiens, des ficelles pour moi, toi, non? Si, tu vas en avoir. Ok, merci. Voilà, moi, je connais le monde de la musique. Putain, je crois que c'était une pastèque. Je me dirais, si, franchement, si... Ah, il y a les vaches aussi qu'il fallait que je trouve. J'avais oublié. Vaches, canne à sucre. Ah ouais, il faut que je vois tout ça tout de suite. On va pas se faire cuisiner une deuxième fois. Là-bas, c'est quoi qu'on a là-bas? Bah, des vaches. On a des vaches là-bas. Hop, allez, on fonce. Déjà, on attaque ça. Voilà, c'est... Regroupement, hein. Je me dis un lit, pourquoi pas. Putain, elle est speed celle-là. Voilà. Alors là, j'ai du steak. J'ai de la bouffe. Il y en a plein partout. Ça va, classe. Elle revient par là. Ok. Donc, en ce qui concerne le cuir, la bouffe, ça a l'air un peu léger pour la bouffe quand même. Hein. On va se faire un petit peu plus de stock. À partir du principe que. Qu'on n'en aura peut-être pas. Ok, les autres vaches là-bas, on va les laisser pour le moment. Le lapin, c'est juste une saturation de merde, donc on va même pas s'en occuper. Ouais, déjà. Allez, on reprend notre petit parcours. Alors, donc j'ai commencé la guitare, comme je vous l'ai dit, la dernière fois. Ah bah, on continuera ça plus tard. Allez, ciao!